traité de Judas par les Chinois, fan de DJ Arafat, Ariel Chéné a reçu le soutien indéfectible de De Bordoli et Kinfa, pour moi, Ariel Chéné n'a rien fait de mal à Arafat. De Bordoli et Kinfa a manifesté son soutien à l'ex-poulain de DJ Arafat, Ariel Chéné, relativement à son concert, qui aura lieu le 2 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. À cet effet, le Mimi a posté l'affiche de cet événement sur sa page Facebook en y ajoutant la légende suivante, « Soutien fils, reste concentré s'il te plaît. » Les légionnaires arrivent. Cette publication de l'auteur de « Spécialité ivoirienne » a suscité la colère de certains Chinois qui s'offusquent de voir De Bordoli et Kinfa soutenir celui-là même que DJ Arafat, de son vivant, avait qualifié de traite et l'avait même surnommé Judas. Face à ces critiques, De Bordoli et Kinfa a diffusé une vidéo ce mercredi 9 octobre après-midi pour dire sa part de vérité. Laissez-moi vous dire qu'Ariel Chéné et Pharrell Obiang sont des petits qui m'ont toujours respecté. Et moi, je leur dois aussi du respect. J'entends les gens dire de ne pas soutenir Ariel à cause de la Chine. Mais ça ne va pas chez vous. Je le soutiendrai et je n'ai rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Moi, je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Vous dites qu'Ariel est un Judas? Ça veut dire qu'il y a un Jésus. Les Chinois, dites-moi, qui est Jésus? Ne venez pas me dire que c'est Arafat qui est Jésus. Je ne veux même pas entendre cela. C'est vrai que quand une personne meurt, il faut lui accorder une perfection divine, mais il ne faudrait pas qu'on oublie un. Ne venez pas mentir aux gens ici. Vous faites comme si, c'est le pape qui est mort ou bien c'est quoi? La mort là, ça appartient à tout le monde, a déclaré Opa la Nation, ajoutant qu'Arafat a attiré la malédiction sur lui et vous les Chinois vous l'avez soutenu. Il a exposé les enfants des gens nus sur les réseaux sociaux. Il a fait plein de bêtises et vous l'avez encouragé. C'est vous qui avez tué Arafat. Ce n'est pas moi De Bordeaux ou Ariel. Ce n'est pas moi qui lui ai acheté cette moto. Il avait besoin de vous les Chinois pour avoir un disque d'or, mais vous ne l'avez pas soutenu. Et c'est quand il est mort que vous venez remplir le Félicia. Je suis sûr que tous ceux qui étaient là-bas sont venus voir s'il était vraiment mort, s'est-il indigné. Par ailleurs, De Bordoli et Kinfa a salué le geste du promoteur du Primud, Molaré, pour la maison qu'il a offerte à la petite Rafnaoun, la dernière fille de DJ Arafat. C'est comme ça qu'il faut chercher les bénédictions. Ce n'est pas comme ceux qui viennent parler sur la toile comme quoi il n'y a pas trahison en Chine. Voici votre camarade, il a offert une maison à la fille de DJ Arafat, par amour pour son père. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'inciter les gens à la haine, a ajouté De Bordoli et Kinfa.